Salut à tous, c'est Lenay. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17. Oui, FIFA 17 avec l'habitude. Pour un long des jeux de l'OSC 6, numéro 6, il me semble. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux nouveaux joueurs, bien sûr, comme toutes les semaines. Ce sera Nolan Roux et Salomon Kalou. Donc la vidéo précédente sur le 11 des joueurs du LOSC 5, vous aviez eu un indice, vous avez vu que c'était Kalou en premier. Bon, tout deuxième, je l'avais pas encore fait, enfin, je viens d'acheter le Nolan Roux, donc j'avais pas encore fait. Et du coup là je viens de l'acheter, donc je pourrais le faire. Alors du coup on va tout de suite présenter les deux joueurs. Alors Salomon Kalou, qui est un milieu gauche buteur ou milieu offensif, mais Olos qui a toujours été buteur, et pour moi il restera toujours buteur parce que c'est un buteur, voilà, il restera toujours buteur. Ensuite Nolan Roux, c'est soit buteur au milieu droit, mais moi Olos j'ai toujours buteur, et franchement buteur, bah j'irai, hein. Franchement Kalou et Roux en buteur, ça allait bien, ou Roux et Origi, mais voilà, j'ai préféré mettre Kalou vu que quand je présente deux joueurs, et bah, je dois les mettre automatiquement dans l'équipe. Du coup bah j'ai mis ces deux là. Alors du coup bah on a laissé Neymar en gardien. Ensuite défenseur gauche, bah j'ai mis Sidibé comme d'habitude. Défenseur droit, j'ai remis Korcha, avant c'était Lucadini à la place, et du coup Lucadini j'ai mis en remplaçant. Du coup j'ai remis Korcha, un petit Korcha. Ensuite en charnière centrale j'ai mis Simon Kerr, j'ai laissé. Et ensuite Bacha, je l'ai changé, ouais, il y avait 7 joueurs avant. Parce que la précédente vidéo c'était 7 joueurs Lucadin. Du coup bah là j'ai remis Bacha bien sûr. Et pourquoi pas remettre 7 joueurs à un moment donné, hein, parce que bon, 7 joueurs là quand même. Ah non, j'ai laissé 7 joueurs, tiens, j'ai laissé 7 joueurs. Allez, je change. Voilà. Définitif. Donc je remets 7 joueurs avec Simon Kerr. Les deux seraient à la paire. En plus il a un meilleur général, et voilà. Donc je vais mettre 7 joueurs. Donc Simon Kerr et 7 joueurs en défenseur central. En défenseur central, pardon. Ensuite, en milieu central ou en milieu central, j'ai mis Mavuba pour une fois. Et Gay. Parce que voilà, il y a. Et Balmont. Bon, Balmont, j'aurais pu faire une vidéo avec Balmont, mais vu qu'il y a à la retraite, et voilà, donc. Enfin, vu que l'année prochaine il prend sa retraite, elle est survivante, du coup il l'a pu. Enfin. Il me semble qu'il l'a plus, donc voilà. Enfin, on peut l'acheter vu que la semaine prochaine il arrête, donc on peut l'acheter. Du coup, bah j'ai mis j'aurais pu le prendre, mais voilà, tant pis. Mais on pense quand même à Balmont. Donc j'ai mis un Bouba et Gay. Il y avait aussi Sankaré et Amadou, mais voilà. Et de la place aussi, mais j'ai voulu mettre les deux. Ensuite, j'ai mis 4 attaquants, du coup, hein, que j'ai trop de buteurs. J'ai beaucoup trop d'attaquants. Du coup, à gauche j'ai mis Boufal bien sûr, City à droite. City peut jouer à gauche, mais je préfère le mettre à droite. Dans ma carrière j'ai mis Ounas à gauche et City à droite. Du coup bah, je préfère mettre City à droite et Boufal à gauche. De toute façon Boufal il peut jouer à gauche et droite, au milieu, ou enfin, il peut jouer tous les postes. Et ensuite bah du coup bah, j'ai mis Salomon Kalou en buteur avec Nolan Roux, qui font les deux qui font la paire. Et franchement là, ouais, les deux buteurs là, les deux bons buteurs avec leur côté Boufal et City, deux bons dribbleurs là. Franchement ça peut être pas mal du tout, hein. L'attaque ça peut être mal du tout. Après j'aurais pu mettre Origi ou Eder en plus, mais voilà, je peux pas faire 5 attaquants, donc voilà. Et puis un de ces 4, quand j'aurai trop de milieux, ben je ferai une vidéo spéciale, tu sais, où vous savez, où il y a 5 milieux, hein, et un buteur, enfin 2 buteurs. Donc ça, je vous montrerai un peu. Parce que ça ferait que je commence à être blindé. Mais ça avance petit à petit, hein. Là on a bientôt fini les joueurs, je pense. Donc après on passera au 11 des joueurs du LOS, enfin au 11 d'équipes. On passera à ça bientôt, parce que là on a bientôt fini le. Je suis en train de regarder les joueurs et c'est vrai que j'ai bientôt fini. Après j'ai pas non plus prendre des joueurs de 2005, hein, mais voilà. Et là Nolan Roux et Salomon Kalou, c'était saison 2013-2014 il me semble, hein, ouais. Oui, il y avait encore René Girard, il me semble. Ouais, c'était 2013-2014, il me semble. Parce que 2015-2016, c'était. Il y avait Boufal. Ouais. Et 2017-2017, c'était. Ouais. C'est aujourd'hui. Ouais. Ouais, donc c'est. Ouais, c'était en 2013-2014, il me semble. Donc voilà. Et en plus, Nolan Roux est parti, mais.
Pour lui, mais il méritait pas de partir. Voilà, René Girard, non, c'est pas René Girard, Hervé Renard, pardon. Il a dégagé, il a dit qu'il voulait plus dans ses plans et. Et bon, en fait, moi, voilà, on était des tout. Je pense que tout le monde était qui parte. Parce qu'en plus, il avait marqué pas mal de buts quand même. Hein. Il avait marqué 8 ou 9 en une saison, donc c'était pas mal du tout. Et il a dégagé comme ça, donc ça se fait hop. Et en plus, pour finir, après, bah voilà, Hervé Renard, il s'est barré, donc. Enfin, il était viré. Donc, voilà, c'était. J'ai pas apprécié ça du tout. Après, Kalou, il est parti à Hertha Berlin. Pour moi, il aurait dû rester. Hein, surtout pour que 10 millions d'euros seulement, c'était peu. Alors qu'il avait marqué plus de 16 buts, je crois, en une saison. Et en plus, c'était le buteur, quoi. Parce qu'en saison 2013-2014, c'était mon préféré joueur cette saison-là. Vraiment, avec Kalou et avec Roux, il faisait la paire. Du coup, je suis un peu deg. Et en plus, bon, après, je sais que voilà, toutes les fins d'année, il faut vendre les plus gros joueurs. Mais bon. Voilà, pour si on vend tous les joueurs peu, et ben on n'est pas dans la merde. Hein. Donc voilà. Et ensuite, en remplaçant, moi j'ai mis Mike Maignan hein, pour remplacer Neymar. J'ai mis Marco Bacha pour remplacer. Kerr ou Chedjou. En plus, j'ai remplacé Digne. J'ai mis remplaçant Digne pour Sibo Korchia. Ensuite, Mendes et Sankaré. Enfin, Mendes pour Sliti ou Bouffal. Sankaré pour Gay ou Mavuba. Et Origi et Eder pour Kalou Roux. Et ensuite, bah, il y a tous mes réservistes, Papé Soiré, Benzia, Lopez, Palmieri, Depréville, Rodelin, De La Place, Sivelli, Amadou Boteac. Là, on n'en parle pas. Et ensuite, non plus. Enfin, ensuite, en dessous non plus, pardon. Donc voilà, ça fait pas mal. Hein. Ça fait une bonne équipe. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le 11 des jours du Husky. Enfin, le 11 des jours du Husky, partie 7. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager la vidéo. Et à mettre des commentaires aussi. Et voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao !